Bonsoir. Madame et monsieur, bonsoir. Bonsoir, je me présente, Laetitia Pastorelli, enchantée. Oui. Femme de pouvoir et businesswoman, actuellement à la tête de ma propre entreprise, The Pastorelli Window. Alors tout d'abord, monsieur Piège, bravo pour votre livre. Quelle belle initiative que de donner aux gens les armes nécessaires pour combattre notre ennemi numéro un, le mauvais gras. À ce sujet, sachez que j'ai moi aussi décidé d'apporter ma pierre à l'édifice, oula, ainsi que le dit le proverbe. En effet, vous n'êtes pas sans savoir qu'en véritable businesswoman, j'ai moi-même la capacité et le devoir d'innover, de surprendre, voire d'électrochoquer ma fidèle clientèle. C'est pourquoi j'ai décidé de mettre à profit mon temps d'antenne pour vous présenter ce soir mes tout nouveaux concepts. Tout d'abord, le collier Pastorelli, ou Pastolier. Le pastolier est un collier capable de détecter la présence de graisse dans les aliments dans le but, en cas d'ingestion, de lâcher une châtaigne électrique de plus de 12 000 volts afin de contracter les muscles de l'individu, le paralysant ainsi sur une durée de 35 minutes. Alors sachez qu'il est également envisageable d'user du pastolier pour lutter contre d'autres gestes nocifs tels que la cigarette ou encore l'ingestion de déchets nasaux. Pour en revenir à notre combat contre le mauvais gras, oui, sachez que j'ai également développé au sein de mon entreprise toute une gamme de couteaux de table que j'ai sobrement intitulée les couteaux Pastorelli ou Couteaurelli. Les couteaux Rélis ont pour fonction de, en cas de contact avec le gras, chauffer à plus de 340 degrés et risquer ainsi de fortement brûler l'individu en action. Dans ce cas, s'offrent alors deux options. Entendre raison ou continuer à manger et prendre ainsi le risque de perdre la totalité de l'usage de ses mains. Si vous voulez mon avis, ne vous frottez pas trop du côté des hautes températures. Laissez-les plutôt à la météo. Météo qui, en ce moment, n'est pas franchement concluante, car peu fidèle à la saison. En effet, demain matin, les nuages seront au rendez-vous et nous relèverons 2 degrés seulement du côté de la Bretagne et 11 degrés à Aix-en-Provence. Dans l'après-midi, guère d'amélioration. Niveau température, on attend 15 à Toulouse, 17 à Perpignan et 19 à Montpellier. Un temps à rester sous son plaid et regarder la télévision. Et en parlant de plaid, vous ai-je mentionné notre tout nouveau rayon literie? On va s'en parler pendant les guignols. Allez, bonne soirée.